Et tu peux... Talmud, poste 2. Le Talmud se compose de la loi, une dizaine de pages, et des commentaires de la loi, plusieurs milliers de pages. Je me sens moins seul. L'art de la fugue se compose d'un thème de quelques mesures et de milliers de mesures commentant ce thème. Je conclus donc que Bach étant protestant, le protestantisme est Talmud. En effet, dans les cas de la loi et de l'art de la fugue, les créateurs sont le réceptacle de leurs ressentis du moment. Ils sont donc perpétuelle création, comme la pensée, dont il est impossible pour l'instant de connaître l'origine ni sa composition matérielle. Ce poste ne concerne pas directement le conflit israélo-palestinien, fondé aussi sur des lois et des commentaires. Merci d'en tenir compte dans vos commentaires. Ce n'est bien sûr pas une obligation, juste un souhait qui ne m'appartient pas, étant moi aussi réceptacle des pensées qui m'environnent. Je ne suis pas responsable de l'inondation du plafond de la voisine. Selon l'assureur, cette responsabilité, en effet, ne m'incombe pas, mon parquet n'étant pas bombé, mais il a précisé qu'il ne pouvait pas prendre à titre personnel mes commentaires, puisqu'il est justement chargé d'appliquer la loi règlement copropriétaire. Commentaire. Le terme parquet, dans le cas présent, concerne des planches en bois taillées et non l'institution talmudique du parquet qui évolue en fonction des commentaires qui me dépassent. Je n'ai pas de voiture. But rarely descending, and Parisian clouds apart their curtains for an interlude of a sun, usually in major chords to juxtapose the minor years, could be in B flat or a minor. Best to bring in a trained ear, you know, perfect pitchers. I got folk pitch, kind of bending all over the plate, in between half notes. Sometimes I get my guitar to follow sweet. These days, I don't play, but I leave it in the dust these days, staring at blank walls. If I look left, there will be something to remind me of you. I wiped away that lipstick kiss you left on my bathroom mirror, but it keeps reappearing. Every time the Italian coffee maker hits that low, rumbling D, I sit here doing morning meditation and journal entries. Even then, there's a memory attached to you. As that last morning at Mines, you fulfilled one of my fantasies. And then it seems to be a reoccurring loop theme. Girl gives me one hell of a mind-blowing blowjob one day and is gone the next. Impossible. Those traces that women leave on your life. Even getting a pack of cigarettes from my local tobacco, I'm reminded of one sweet summer day in the key of G flat. Lots of smooth run-on notes. I'm walking you back to the station and we stop for a coffee to go. And the guy behind the bar, he says something in French I kind of catch but ignores. And she tells me outside that he said, and having a sexy lady as well, huh? And I'm embarrassed that I didn't catch it soon enough to say something clever back because it was disrespectful, but I guess we both brushed it off. And I stood and I kissed you high from the day and night of now where we stood. And I always felt strong with you in my arms. Imagine the place many an eon times ago. Times gone, times a goner. Times a goner. Her spaceship crashing through sound barriers, disintegrated into electronic samples. She landed here.
with a distinct taste for flying on the back of her tongue, like a love song. You keep trying to remember. Nocturnal's in the house. Nocturnal is in the house. Nocturnal's in the house. Where's Nocturnal? Hey! Oh, there he is. Nocturnal. Nocturnal paraded through the looking glass, touring time zones, gorged themselves on the Emancipation Proclamation during training days. A massive skip beat heart soup of a loop gets unstable, spinning. I've liked to spin since I was a kid, around and around and around, like the spin in my head. Reality gets unstable, and then you're flying. And the funny thing is that the feeling of flying is caused by the effects of gravity. I wondered when I was a kid, if I spun long enough, would I catch up with the Earth spin and rip the fabric of 24 hours and fuck time, become timeless as becoming timeless. Timeless as becoming, where loops exist and spirals. A spiral is a line and a circle at the same time. This mortal coil stretched is a line, and you have to ask yourself, how long is a piece of string? Is a piece of string? I'm gonna finish up on this. I got time for one. Okay, I'm gonna finish up on this. I got one more to do, maybe, if it works. Fuck time. This next piece is called Big Nostalgia Machine. 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 This is the machine. Big nostalgic machine. This is the machine. Big nostalgic machine. 100 leagues, 100 lines, 100 times across 100 blackboards, and 100 seas, 100 meters high, above 100 trees, 100 nightmares manicured by hunger trees, 100 jokers up 100 streets, 100 bolts of laughter behind 100 screams. This is the machine. This is the machine. Big nostalgia machine. This is the machine. Big nostalgia machine. 100 prayers, 100 desires, 100 jugs of kerosene igniting 100 fires, 100 generations for 100 generations, 100 loops convened with zero in between, with zero in between,
Alors, we'll turn off the effects sometimes, I guess. Next, we're going to have Nina up sharing her poetry. Nina, who is my heart. Come on, girl, give it to them. Give her a big hand, huh? It's really, I mean, whatever I say is totally useless at this point. I mean, when I say, if I say that it's hard to go after the sound or music, it's completely, oops, it's ça va de soi, or it's clear. It's clear, like the clearest clear. You okay? I never met this. Ça va aller? Les objets phalloïdes comme le micro, c'est toujours. Mais je pense que c'est un truc là, parce que c'est pas bien géré. Mais... Excusez-moi. Okay, there you go, girl. That should be better. C'est bon comme ça? C'est bon. Okay. Merci Jam, merci Samir, merci Béatrice. Ce que je vais dire, alors je peux répéter dans plusieurs langues. I'm going to repeat in several languages. Whenever I repeat things in several languages, first of all, some people, a lot of people think I'm crazy, which is absolutely true, absolutely right. Then I say something that they start thinking I'm not that crazy, and I say exactly this thing. If you have something to say, you can say in any language you want. If you have nothing to say, not even your mother tongue will get you out of prison. So, je dis, si vous avez quelque chose à dire, si vous pouvez dire dans toutes les langues possibles dans ce monde, vous dites simplement bla bla bla, mais si vous avez rien à dire et rien à penser, le problème est là, voilà, vous ne pouvez pas dire même dans ma langue maternelle. Okay, ce que je... I'm translating this and I'm going to end up, because I'm going to read just a snippet. This piece I wrote last year after the so-called barricades of La Sorbonne, when the Cite Tolbiac was taken by the students and by the teachers during the month of March and April 2018. The press, our dictator, President Macaroni, was watching the press and censoring the press. There was a total censorship, media censorship. So he was hiding the fact that there was that La Sorbonne was on barricades. And why was Sorbonne on barricades? I'm gonna read it in French. I'm gonna tell it in English. I can repeat it in Russian as well, but who's gonna listen to me? The Sorbonne was on barricades because the students, first of all, the students and people like Stuart Cruz and people like international students, they were refusing to pay $1 million or euros to the scholarship, to the entrance to universities, which is so-called La Loi or ORE, O-F-E. Then there were a lot of other irregularities that people like yellow vests, yellow jackets or gilets jaunes, then come to me and say, well, you said it first like a year ago, that a lot of things are not working correctly in our country. And I was not like the first gilet jaune, but I was surely at Tolbiac, where I don't work any longer. Thank you for forgiving. And I wrote this piece, which I presented at the gathering of anarchists in Lille last year in May, where I was brought by my partner, Pierre Mereshkovsky.
And so at the anarchist gathering, I read the piece called Professionnels de Disorder, or Professionals of Disorder. That's how the president called us, all teachers, all the teachers at La Sorbonne and everywhere, that we are actually just, you know, creating chaos and disorder and helping students, and he would like us all to be the forces of order. So, professionnels de disorder. Les étudiants doivent comprendre s'ils veulent leur examen, qu'ils doivent les réviser, car il n'y aura pas d'examen à chocolat dans la République, a répondu Nathaniel Macaroni. Le chef de l'État a aussi fustigé les professionnels de désordre. C'était le 12 avril 2018. Alors, on revient le 20 mars jusqu'à le 9 avril 2018. Les dirigeants qui se moquent de cette façon cynique de toutes les structures professionnelles et humaines n'a jamais mentionné jusqu'à aujourd'hui dans les médias publics qui sont les professionnels de désordre et ce qui se passe dans l'université en ce moment. Le mouvement politique, l'insurgence socialique, après presque 50 ans depuis mai 1968, une nouvelle effraction s'est produite, la réponse à sa politique odieuse du loi ORE, qui, si elle passe, permettra seulement aux enfants des riches d'accéder à l'université, afin qu'ils deviennent encore plus riches et que le reste du monde tombe comme Atlantis au fond de l'océan humain. Quand tout cela a commencé, un jour je suis allée, conformément à mon rôle de professionnel de désordre, assurer le site Saint-Charles de la Sorbonne 1. Un court tôt matinal, à l'heure où les évoués dorment encore. Et j'ai trouvé le centre bloqué par mes étudiants, mécontents, protestant et organisant une manifestation contre la bête de la bureaucratie, les méchants dirigeants Macaroni et la dite proposition de la loi. Dans mon sac, j'avais préparé un leçon contre la bureaucratie, le gouvernement et le Brexit. Juste. Bon nombre de manifestations bloquées de tous sites de la Sorbonne ont suivi, notamment le site Pierre Mendès à Tolbiac, où les étudiants ont formé les vraies barricades, les meubles érigés sous les portes et ascenseurs bloquant l'accès au bâtiment. En même temps, on organisait les longues assemblées générales. En même temps, on restait là à dormir pendant 2 semaines. On assumait l'activisme jusqu'au bout. En même temps, pas de cours, pas de renseignements du président de la Sorbonne. Qu'est-ce qui se passe dedans? Et qui, une petite lettre pleurnichade, qui parle des forces méchantes qui ont cassé notre meuble dans les amphithéâtres de Panthéon? Mais pas une invitation de prendre les choses dans leurs mains, de renseigner les médias ou prendre la situation au sérieux, jusqu'à le 5 avril. Le 5 avril. Chers collègues, vous trouvez joint à ce message le compte-rendu synthétique de l'AG étudiante qui s'est tenu hier matin au centre PMF Pierre Mendès, aussi qu'un compte-rendu détaillé de l'AG des personnels qui étaient tenus plus tôt dans la matinée. Ils ont été rédigés par des collègues ayant assisté à ces deux réunions. Merci à eux. La prochaine AG des personnels se tiendra le 5 avril à Nevers, en FICA à Tolbiac. Bref, compte-rendu de l'AG des étudiants qui s'est tenu hier matin au centre PMF. L'Assemblée générale des étudiants a rassemblé ce matin plus de 1200 personnes dans l'amphi N du centre PMF. À l'entrée du site a été filtré, contrôlé des cartes par les équipes de sécurité présentes au début de la matinée. L'atmosphère à Tolbiac, après une semaine d'occupation, est organisée. Les affiches réparties, le tour de ménage, repas, etc. Le planning des actions, les règles d'organisation est ouvert aux étudiants qui arrivent sur le lieu le matin. Bon,
L'AG des personnels administratifs et enseignants de l'Université Paris 1, réunie le mardi 3 avril, affirme sa participation à la mobilisation au cours contre la loi ORE et son soutien aux étudiants mobilisés. Au-delà de la loi ORE, qui doit être abrogée, elle exige du gouvernement les moyens nécessaires au bon fonctionnement d'une université ouverte à tous et démocratique. Elle appelle en outre à rejoindre la journée d'action contre la précarité dans l'éducation nationale organisée jeudi le 5 avril. Elle appelle à une nouvelle AG des personnels le jeudi 5 à 9h, amphithéâtre K à Tolbiac. Les professeurs commencent de s'organiser. Les AG avec étudiants, les AG sans les étudiants, les jours et les nuits, les directeurs du IFR différents, silents, l'administration silente. Les secrétariats qui continuent de nous envoyer les ordres de tenir les cours, tenir les examens, partiels, quoi, sur le matériel qui n'était pas encore enseigné aux jeunes. La directrice de notre département, Madame Macaroni, nous envoie au poste différent de l'université qui est brigadée, barricadée et qui hurle de mécontentement. Le 9 avril, ce jour-là, je suis allée au Tolbiac, rentrée par la petite porte pour la diffusion de la nourriture. J'ai donné des pommes et des bananes aux gosses qui m'ont semblé à mes étudiants de mes TD 58, TD 75 et TD 84. Et suis rentrée dans l'amphithéâtre dès où les étudiants ont tenu leur discours. Plusieurs ont critiqué le comportement du prof, la mauvaise notation, et quand j'ai pris le micro, je l'ai supplié de comprendre que je n'étais pas payée depuis septembre et que je suis allée souvent très affamée au cours de langue. Peut-être je me suis trompée, en quelques notes, c'est fort possible. C'est les philosophes qui ont pris la parole. Je l'ai dit que Monsieur Macaroni avait menti à tous qu'il avait étudié avec les philosophes comme Paul Ricoeur, car l'enseignement du philosophe est bien différent de s'asseoir pour l'argent, néolibéral et néolibéraliste. Je crois qu'ils m'ont compris cette fois, car on m'avait deux parmi eux qui m'ont demandé « Ça alors, vous allez nous enseigner jusqu'à ici gratuitement ?» Dans l'amphithéâtre K, juste à côté, l'assemblée de 89 profs s'est déroulée assez amicalement. Mon responsable, Madame Hanifi, est venue avec son nouveau-né dans son sac kangourou. On a voté presque avec l'unanimité. Vous savez quoi? Effectivement, ça c'est un texte assez pertinent, je pense. Vous pouvez trouver... sur mon site, bon, sur mon site blog, Academia Edu aussi, j'ai un web, site web, il s'appelle Les professionnels de désordre. Certains parmi vous vont me comprendre. Un poème en anglais, un poème en français. Et ça va être ça de moi. Il y a certains qui sont endormis ici. Bon. Amour est un mot en cinq lettres. Juste pour prouver que je ne suis pas une personne tellement abominable. I'm not this horrible person who's just organizing evil things. Love is just a four-letter word. It's true. Love. L-O-V-E. It's a four-letter word. And in French, amour est un mot en cinq lettres. C'est un sonnet pour mon ex. Dois-je te comparer au plus rude frimas? Tu es plus froid, plus lassant et plus orageux que tout élément de la nature. Ce que tout simplement on appelle un climat. Dès que tu apparais autour de toi, ça semble un air glacial et sourd. Et toi, fat et bouffi d'orgueil, tu railles mon esprit et mon savoir libertaire.
Toutes celles qui ne lient pas mon prince aux grandes ambitions, qui confondent donc toujours amour et érotique, et les appellent alors la poésie de Nina. Non, c'est pas une bonne traduction. Je suis désolée. Mais c'est vraiment nul. Je cherche quelque chose qui peut vous juste... Prométhée. Ok, ça, par exemple, si je lis, et je vais terminer avec Prométhée, Anna en français, Prométhée pour Bob Lennox. J'avais pas mal des amis, malheureusement, qui étaient de ma génération sida et qui sont partis. Et c'était un grand, Bob Lennox, c'était un grand pianiste qui a travaillé avec Pointer Sisters, Aretha Franklin et tout ça, il a joué. Mais bon, et donc la dernière, il m'a invité à Berlin quand j'ai écrit ce poème. Et il m'a invité, comme il va m'accompagner sur le piano. Et je suis arrivée et j'ai commencé à lire comme ce soir et il a collapsé sur le piano. Et c'était la fin de Bob, c'était la fin de ce séjour à Berlin. Mais bon, s'il vous plaît, restez au chaud, ne collapsez pas, soignez-vous bien, soyez sages. Look who's laughing here, behind my back. Ninja, yeah. Je sais que tu m'as traité de voleur quand je t'ai dérobé le feu et que tu m'as traité d'idéaliste et de romantique quand j'ai voulu offrir aux humains un peu de lumière. Mais pour me rabaisser tout à fait, tu m'as amené un volataille. Idée bouffie d'orgueil, oh, comme ce rocher était solitaire. Cette cervelle de moineau que tu as appelée aigle par pure méchanceté. Mais quand je l'ai comparé à l'État et à une puissante industrie, je l'ai nommé Frankenstein. Puis tu as extorqué cet animal répugnant à me dévorer le foie. Pourtant, je ne m'en souciais pas, car de nouveau j'avais triplé, comme Monsieur Smith. N'empêchait qu'un beau jour, tout cela m'a laissé épuisé. J'ai crié « Au secours !» Mais personne m'a couru à l'aide. J'ai dit alors à l'aigle « Fous le camp !» C'est à quoi il a eu un étrange sourire et s'est envolé. Et moi, sidéré, je suis restée à me demander « Qu'est-ce qui arrive de mauvais parmi les hommes à qui j'ai apporté le savoir ?» Chose véritablement repoussante dans la situation où se retrouve tout l'univers. Ah oui, c'est une vraie question de Prométhée à l'aigle. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, l'aigle, que tu me laisses tranquille et tu ne bouffes pas my liver? Okay, merci beaucoup. Merci. Here's Jamaica, here's myself, but... Okay, my dear friends, wait a minute. My dear friends, we are not here, Jamaica and myself, just to have this exploitation of orgastic ego. We invited... That's what she says, but me, I don't know. We understand, you know, it's like I have this momentum of my ego already, like... For younger people, anyways, I'd like to invite our our dear friends who will read in English, American, Australian, whatever, New Zealandish, and in French or Canadian or whatever they like. And so, why don't you go ahead and start with our whatever? No, really, what we're going to do right now is going to take like about a 15-minute break where you can smoke, talk to people, and we're going to come back and we're going to start off with a brother of mine who's in town for a minute named Khalil, but we'll see what's going on. So enjoy yourself and come back. No, stay. Stay. Don't smoke that ciggy and run away, you know, like an eagle, yeah. Hello,
It's the break, right? It's the break, yes. Hey, I'm right here for the meatloaf.